RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h20, bonjour Nicolas Domenac, bonjour François Langlais. Bonjour. Bonjour. Nous avons 6 minutes pour trancher et savoir si l'État a finalement pris ses responsabilités pour assurer la pérennité du site d'Alstom près de Belfort. En tout cas, c'est François Hollande qui l'affirme. Est-ce qu'il a raison, Nicolas Domenac ? Ah, je crois que oui, et ça aurait été terrible si l'État n'avait pas assumé, là, au fond, de sauver d'abord une région. Et au-delà de ça, l'idée qu'on peut se faire d'un État et de son rôle dans ce pays, quoi. Une région, parce que c'est pas seulement... Toute la France, d'une manière générale, souffre d'abandonnite. Mais si on n'avait pas sauvé cette entreprise, dans cette région-là, tout particulièrement Alstom, je veux dire, c'est 130 années de façonnage d'une histoire commune. Et donc, ce n'est pas seulement 450 emplois. Je veux dire, c'est la vie vraiment profonde et le sentiment d'appartenance qui aurait été atteint. Mais plus au-delà de ça, je veux dire même, notre pays souffre, au fond, non seulement d'abandonnite, mais de crise identitaire. Or, ce n'est pas seulement l'islam le problème de l'identité française, c'est d'avoir perdu des fleurons de notre industrie depuis des années et des années. Et notamment, alors, le train, ce n'est pas seulement parce que certains d'entre nous ont reçu des trains électriques quand ils étaient petits, mais parce que aussi, mais c'est parce que le train, bah, ça fait partie là aussi de notre imaginaire, et c'est important l'imaginaire français. Je veux dire, le TGV, ça fait partie de cette force, je veux dire, donc on ne peut pas abandonner ça. La logique comptable, ça ne suffit pas, je veux dire, ce n'est pas possible. La logique comptable, ça ne suffit pas, François Langlais. Alors, le dossier Alstom. Ouais, c'est pas du tout le principe que je conteste, mais les modalités de l'action de l'État. C'est une action qui est coûteuse, ça coûte quand même plusieurs centaines de millions d'euros. À la limite, prenons en compte les arguments de Nicolas. Donc, éliminons l'aspect coût. Mais c'est une action qui est inefficace, parce que de toute façon, rien n'est réglé sur le moyen terme. On anticipe sur des commandes qui auraient été passées de toute façon si on avait vraiment besoin des trains, ce qui reste à prouver, parce qu'aujourd'hui, ces trains vont circuler sur des lignes qui ne sont pas adaptées à leurs caractéristiques. Et le troisième point, c'est que je constate que l'État était au capital et qu'il n'a pas anticipé. Donc c'est tardif, c'est coûteux, c'est inefficace, c'est tardif. C'est une opération de pieds nickelés. Encore une fois, c'est pas le principe que je conteste, mais la façon dont ça a été fait. Ça me paraît contredire de façon flagrante ce qu'on répète en matière de politique industrielle, qui est que le privé agit à court terme et le politique à long terme. Pardonnez-moi, c'est faux. Parce que je ne défends pas le privé à tous les coups. Il a ses biais de gestion aussi, mais ce ne sont pas les mêmes que ceux de l'État. L'État se détermine pour des raisons politiques. Elles sont tonitruantes sur cette affaire-là. C'est la proximité d'une élection présidentielle. Ça me paraît court et regrettable, au nom même des arguments développés par Nicolas. 700 millions, Nicolas Domenac, oui. Pour sauver une entreprise momentanément avec des trains dont on n'a pas besoin la SNCF. C'est en gros ce que vient de vous dire François Langlais. Oui, non, c'est en gros et en détail. Je ne savais pas que François Langlais était un spécialiste du ferroviaire à ce point-là. Ce que j'ai lu, ne l'étant pas, étant très très humble et un grand respect pour François Langlais, j'ai quand même à la fois écouté sa chronique précédente sur ce sujet où il développait déjà cette théorie du pied nickelé, comparant même le TGV à la Trabant de l'Allemagne de l'Est d'autrefois, ce qui n'a absolument rien à voir. Alors, je veux dire, je suis un peu surpris parce que par ailleurs, donc étant surpris, j'ai regardé de près les arguments d'Alstom et du gouvernement qui disent tout à fait l'inverse. Donc, je ne suis pas économiste, je suis prudent, n'empêche que il était prévu de commander des TGV dans quelques années, on anticipe cette commande-là, et que des TGV roulent à 200 km/h au lieu de 300 km/h, c'est le cas des TGV qu'on vend aux États-Unis, c'est le cas de plusieurs lignes de TGV en France, je veux dire, c'est peut-être aussi une économie veut dire qu'on fait à l'avance. Nicolas Domenac, oui. Échappant au cas Alstom, est-ce que c'est le rôle de l'État de sauver toutes les entreprises françaises ? Non mais juste, j'allais y venir, ça n'est même pas j'allais y venir, c'est le second point. Alors, en dépit de toute sa prudence, François Langlais relève quand même que le marché a un côté court-termiste et qui nous conduit à la catastrophe si l'État n'intervient pas. Je rappellerai quand même la crise des subprimes, la crise du système bancaire, la Société Générale et l'affaire Kerviel. Alors arrêtons de nous donner comme modèle les entreprises privées. L'État doit jouer son rôle d'intervention. On ne s'empaillera pas là-dessus, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, si je conteste cette affaire-là, ça n'est pas parce que je pense que l'État ne doit pas intervenir, c'est parce que je pense qu'il n'intervient pas bien, et pas de façon suffisante. Et alors, reprenons le principe de la commande publique pour sauver une entreprise en difficulté. Pourquoi pas, à ce moment-là... Ou celle de la préférence nationale, qu'on pourrait imaginer. Oui. Est-ce qu'elle est encore concevable dans une Europe... Mais si vous voulez, allons même plus loin. Les élevages de porcs sont en difficulté. Qu'on achète des porcs.
que l'État achète des ports. Les céréaliers sont en difficulté, mais qu'on achète des céréales, qu'on mette les céréales dans les trains avec les ports. C'est pas la même chose. Et puis, les hôteliers sont en difficulté, mais qu'on mette les ports dans les hôtels. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de limite. C'est l'industrie de la lingerie, qu'on achète des ports de jartelles avec par centaines de milliers. Non, mais c'est pas la même chose. Je veux dire, le train, c'est vraiment la résistance, c'est le train. Enfin, le train, c'est notre excellence. On n'est pas des excellents dans le roulement à billes ou dans la fabrique des petits pois. Je veux dire, c'est pas. En fait, vous mettez en avant le symbole républicain. Exactement, je pense que l'imaginaire, c'est important, et qu'en économie ne compte pas seulement la logique comptable, mais au fond la psychologie. C'est là où je me différencie peut-être un peu de François Langlais. Oui, Nicolas Mella, le sujet, c'est les emplois quand même. C'est au-delà. Il y a 500 emplois qui sont en jeu. Bon, il ne s'agissait pas de la disparition d'un savoir-faire. Non, parce qu'ils pouvaient aller les fabriquer à 80 km quand même. On allait transférer l'usine à quand même un certain nombre de kilomètres, ce qui aurait compliqué la vie. Et en Alsace, du coup, maintenant, on s'inquiète de perdre des marchés. Sans doute. Et puis, on le sera aussi chez Bombardier, pour les mêmes raisons, qui est une entreprise canadienne qui est installée en France. Donc, ça ne résout rien, cette affaire-là. Mais, encore une fois, je ne veux pas dissimuler le fait que, sur le fond, l'intervention de l'État est parfaitement justifiée. Il y a des bons exemples. Prenons PSA, par exemple. J'allais y venir. En 2014, l'État intervient partiellement, en nationalisant partiellement le capital de l'entreprise. Bon, on a fait le boulot. Notez quand même que dans ce cas-là, comme dans le cas de General Motors, qui a été nationalisé par Barack Obama, on nationalise non pas pour éviter les restructurations, mais pour les faire. Et c'est très différent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire de façon un peu démagogique on va sauver les emplois, mais il s'agit de dire on va sauver justement ce dont vous parlez, c'est-à-dire le savoir-faire technologique et industriel, et bien sûr tous les emplois qu'on pourra, mais on garantit la pérennité de l'entreprise. Sur cette affaire-là, Alstom, honnêtement, je ne suis pas rassuré. Je vous rejoindrai sur un point, François Langlais, c'est l'absence d'anticipation, mais qui ne remonte pas aujourd'hui, parce qu'on a dépecé Alstom bien en amont. Là, on a fait une erreur, parce que face aux grands groupes étrangers, on a réduit Alstom comme peau de chagrin. Mais alors, moi, j'irai plus loin. Je veux dire, profitons de ce moment-là pour effectivement... D'ailleurs, il y a des sommes qui vont être investies pour la recherche à Belfort, etc. C'est un peu injuste ce que vous dites. Mais pour organiser des assises du ferroviaire qui sont plus qu'urgentes, parce qu'effectivement, quel choix fait-on entre l'autocar et le train, entre le fret ou pas le fret? Je veux dire, là, bon, Yves nous fait... Non, mais juste une dernière question, je vous donne une réponse. Les règles en matière de concurrence à l'échelle européenne, les appels d'offres, on s'en fout. Hop, hop, hop. Alors là, moi, oui. On s'assied dessus, je pense que même il y a des nationalisations temporaires qui peuvent s'imposer. Je veux dire, il est temps de reprendre aussi de la souveraineté, ça, puisqu'on est incapable de mettre sur pied une Europe de l'économie, une Europe de l'investissement, etc. Donc il faut arrêter d'être les idiots utiles. Juste un petit mot sur ces questions de concurrence. Je pense que c'est plus intéressant pour Alstom d'avoir une petite partie d'un grand marché européen sur lequel il peut se développer, que d'avoir la totalité garantie du marché français. François Langlais, Nicolas Domenac, merci beaucoup d'être venu débattre aujourd'hui en direct sur l'antenne d'RTL.